Salut à toutes et à tous, c'est Timur. On se retrouve sur 7 Days to Die avec comme objectif aujourd'hui de donner une forme définitive à cette tour. Donc on va monter un petit peu, pas sûr qu'on fasse la toiture, par contre faut que je vois déjà l'effet que ça fait avec l'idée que j'ai pour monter un peu, avoir un plafond, comme ça on serait tranquille. On va voir tout ça. Et puis sinon, bah on a besoin de matériaux. Il n'y a plus beaucoup de pierres pavées, donc on va en refabriquer un peu. Et quand on aura bien construit, on pourra aller se défouler avec une mission de nuit, c'est ça qui est cool. Je vais arrêter ça, je vais faire la pierre pavée d'abord. Et puis je relance juste derrière, hop. Nickel. J'ai fait une petite journée de off pour relancer une fois de plus. Parce que sinon j'avance pas hein, en réalité. Je suis obligé de miner et tout. Alors, la moitié c'est où? Ça devrait être là, j'imagine. Je regarde. Ça a l'air d'être ça. Ok, on mettra une échelle peut-être là-dessus pendant un certain temps pour pouvoir accéder ensuite bah, sur le haut. Ok, on va faire comme ça. Je pense que ça sera pas mal. Porte là. Et puis ici, il n'y avait pas de verre. Oui, mais j'en ai. C'est pas un problème. Faut que je le retrouve juste. Il y en a un peu là. Et beaucoup là. On a tout. On va placer aux endroits où il n'y a pas encore. Je vais copier juste la forme. Oh, puis je peux même copier là l'orientation. Vas-y, fais voir, c'est bien. Il y a là où il n'y a rien aussi. C'était des triangles, je crois. Comme ceci. Alors là, par contre, faut retrouver la même rotation. Et je crois que c'est ça. Je vais vérifier au-dessus. Oui, c'est ça. Super. Du coup, on aura une hauteur de 2 pour les vitres, ça me paraît très bien. On va profiter qu'on a cette forme pour l'ajouter partout. Ne me dis pas qu'il y a déjà une crieuse. Oh si. Ouh là là. Elles sont chiantes. On copie ici aussi. Je sais pas si elle a gueulé ou quoi. Elle a fait une espèce de faux cri là. On va aller s'occuper d'elle. Recharge. On va lui faire péter le caisson là. Voilà. Tais-toi. Je pense pas qu'elle ait crié. Et on est reparti. Alors on va placer maintenant les plates. On va les copier. On les place ici d'abord. Tranquille. Ensuite, c'est la suite. Voilà. C'est un petit peu dur à placer par moment, mais ça va. Imaginez la chute. Alors là, ça ferait mal. Hein. C'est haut quand même. Attends, mets-toi sur ça, voilà. Nickel. Et il nous reste ce côté. Super. J'ai pas oublié là. Non, j'avais pas oublié. Donc déjà on a fait tout ça. Ensuite, on est obligé de copier à chaque fois ces trucs là pour les remettre. Voilà. Ensuite, pour passer, on va devoir conserver cette forme pour l'instant. Et c'est pas dans le bon sens. Voilà. Ok. C'est compliqué, hein. Avec toutes ces formes, faut s'y retrouver.
je regarde où j'en suis. Là, je vais faire pareil. J'avance au-dessus. Je comble ça. C'est cool. Attends, est-ce que tu as la même? Oui, on va la garder un certain temps. Faire tout ce qu'on peut, et puis après, on inversera. Voilà. Hop. Pour l'instant, ça se déroule très bien. Alors, on copie pas la rotation. À chaque fois, je me gourre. Yes. On copie, on copie, on monte. On fait ça en équilibriste. Et puis là, on monte dans ce sens-là, on ferme au-dessus. Ça commence à donner... Ouais, regardez, quelque chose de beau. Là-bas, j'ai oublié. Là-bas, j'ai carrément oublié, c'est pas grave, on va le faire après. Oui, mets-le. Allez, vas-y. N'hésite pas. On avance jusqu'au bout. On est enfin arrivé à cet endroit-là. Oh là là, l'accident. Presque, hein. Ça a failli donner lieu à une fracture. Ah, elle a du mal à lancer ses blocs en même temps. Je sais pas pourquoi. Enfin, c'est plutôt moi, d'ailleurs. Ok. Très bien. On est arrivé de ce côté-là. Dernière forme à mettre ici. On passe au cube. Et donc, j'avais juste ce petit truc-là. Je vais descendre ici. Regardez ça. C'est cool. Carrément très bien. Et donc il me faut toi comme ceci. Ah, et puis là on a oublié de mettre un cube aussi. Mais bon, c'est pas grave. Tout ça est très bien. On va renforcer. Ok. Et puis ensuite, il me faudrait une passerelle pour aller jusque là-bas. Ouais, où je me mets, tout simplement. Ça. Voilà, et comme ça j'arrive ici. Il faudrait faire un échafaudage autour en réalité. Parce qu'il y a des endroits non renforcés. Et là, c'est pas vraiment accessible. En tout cas, là, déjà, on aura fait ça. J'ai renforcé en béton par erreur. Mais pourquoi pas bétonner le tout, hein. Ce sera comme ça très solide. Et puis alors, pour refermer... Alors là, ça va être délicat. Ça va être très, très délicat. Faut que je retrouve déjà la forme qui était sympa. C'était cette forme-là, il me semble, hein. Et là, faut que j'arrive à la poser. Mais non. Mais quelle chiante. Elle a gueulé direct. Même pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Ah, puis je tire mal, là. Voilà, c'est mieux. Meurs. Meurs, s'il te plaît. Voilà, t'es morte. Une autre crieuse là-bas. Ok. Ça m'embête. Je vais être tout le temps dérangé en réalité. J'aime pas qu'on tape sur ces trucs là parce que c'est tout neuf. J'ai mis du temps à le faire et vous abîmez tout en 2 secondes, vous. Vous respectez rien. Oula, j'ai l'impression qu'il y a qui sont tombés à l'intérieur.
Oh, tu cours, toi, dis donc. J'ai bien peur que quelqu'un soit tombé à l'intérieur parce que j'ai fait un trou, là. Bah oui. Le ring. Bienvenue dans le ring. Voilà. Et du coup, j'avais ma forme. Je vais devoir ressortir comme ça pour l'instant. Ah, je récupère. Je pourrais pas avoir le dernier, mais c'est pas grave. Viens te battre. Viens là, viens là. Ok, j'espère que on va être tranquille pour un petit moment. Tiens d'ailleurs, je vais en faire une petite centaine. Et oui, voilà, c'est pour ça qu'il faudra un échafaudage en vrai. Parce qu'il y a plein d'endroits. Pourrait-on faire comme ça? Des endroits où on saute en même temps. C'est pas pratique parce que comme ça tourne... Là, je vais pas pouvoir sauter dessus. Ouais, on est d'accord? Non, ça va être une vraie galère en réalité. Hop. Pour l'instant, on fait comme ça. Ah, là, ça va être mieux. Ouais, on va faire... comme ceci. Et alors, si j'arrive là, je pense que je suis à l'extrémité, c'est parfait. Ok. Essaie de te mettre dessus, comme ceci. Et ici, on vient en mettre également. Ouais, je vais faire tout le tour. Je peux pas comme ça, c'est trop dangereux. Ah là là là! Wouh! Quel coup de bol! On savait que ça allait être la cata, de toute façon. Non, c'est une vraie galère, parce que comme elle tourne, de toute façon, je pourrais pas mettre un échafaudage fixe. Il y a des endroits où on n'arrive pas bien à poser dessus. J'ai récupéré tout ça, et on va retourner sur le haut, on va essayer de placer comme on peut. Alors déjà, de ce côté-là, dans ce sens-là, est-ce que... non. Je dirais que c'est plus comme ça. En fait, ça doit être exactement pareil. Voilà. Attention. Yes. Toi. C'est la même courbe, hein. Je suis pas sûr. Te mettre comme ça. J'espère que ce sera exactement pareil. Ouais, c'est tendu, tendu. Yep. Il restera là-bas au bout. On a l'impression à chaque fois qu'on va basculer dans le vide. C'est dur vraiment de savoir. Il y a plus d'arrondis d'un côté que de l'autre. Voilà. Alors ça, c'était le plus dur à faire. Je renforce comme ça. On renforcera plus tard. Et maintenant, je récupère des cubes. Comment on fait déjà? Comme ceci. Ouais, c'est ça. Et après, ça prend appui là-dessus. Pour faire une petite avancée. Comme ceci. Ce qui veut dire qu'on fait comme ça. Nickel. Enfin, sauf le trou. Rebouche-toi.
continue comme ceci. Et alors là, on a juste à mettre 1. Si tu voulais bien le copier. Comme ça. Et ça me permet d'avoir un plafond. Parce que là, je peux mettre des cubes partout. C'est la solution que j'ai trouvée. Elle me semble pas mal du tout. Donc, bah, je vais continuer. Je vais continuer de mettre ça. D'ailleurs, je vais en refaire encore. Parce que je vois que ça part très très vite. Et il est déjà midi. Hein. Ça va passer à une grosse grosse vitesse. C'est complexe à faire, mine de rien. Ok, donc là on est bon, et il va me rester à combler avec du cube pour avoir un plafond. Alors je m'étais dit, on va quand même se mettre une sûreté. Voilà, comme ceci, avec ensuite bah, celui que j'avais mis au milieu là, le milieu qui me semblait être là. Voilà, et puis on arrive ici. On colle tout. Et on est pas mal. C'est bien le milieu, hein. On va regarder. C'est bien le milieu. Est-ce que ça aurait été pas mieux de mettre des colonnes? Je pose la question. Je pense que peut-être. Ça serait plus joli, ça ferait plus château. Donc on va se fabriquer ça, hop. Alors ça c'est quoi comme colonne? C'est une petite colonne comme ça. Et il n'y a pas... Petite décoration, ouais, le pied. Le pied comme ça. Et ensuite c'est la même? Ouais, c'est la même. Et là-haut, on met l'autre truc. Ça va être long à faire, hein, par contre. L'autre truc, c'est ça. Qui soutient le plafond. Magnifique. Quand même mieux. Hein. Carrément mieux, même. Eh, même, d'ailleurs, on va virer ça. On verra ce qu'on mettra à la place. Pour voir ce que ça donne comme style. Problème. On va soutenir temporairement là. Et on refait le même truc. Qu'est-ce que c'est chiant parce qu'il y a plein de choses collées les unes aux autres. Ok, on en est là. Ça donne ça au centre de notre pièce. Une jolie petite colonne. Qui soutiennent notre plafond, qui fait que bah on va le placer, on va remonter encore une fois. Ok, viens me mettre là. Il faudrait que je laisse une ouverture pour l'instant pour pouvoir remonter au cas où. Je vais la mettre au pied de cette colonne là puisqu'il y a une place. Ouais, on va faire comme ça, mais il faudra que j'enlève là alors. Ok, bon. On copie, on comble tout. Ok, j'ai déjà mis tout ça. Ah merde. Dommage. J'ai perdu un bloc. Je vais voir si ça s'est bien fait. Bah oui, ça s'est bien fait parce que j'en avais besoin. Du coup, on va remonter. On va commencer à faire là, le long. Ah, c'est quoi ça? Ah, je croyais que c'était un vautour qui était bugué.
Donc on va commencer à faire le long, bah tu sélectionnes ça, ouais. On va peut-être pas bétonner pour l'instant, on verra après s'il y a assez de béton qui a été fait. Là c'est une première étape, on fait tout le long comme ça. Et après, on avance sur le plafond lui-même. Et on regarde ce que ça donne du bas. Sachant que ça va être hétéroclite parce qu'il y a des endroits où j'ai pas renforcé sur la façade, où ça va être du bois encore. On aura trouvé une solution pour ça, vu que je ne peux pas voler. Ça va être compliqué parce qu'on a vu que l'échafaudage ne voulait pas. Ok, pas mal. Bon, là, j'étais remonté d'ici. Je vais quand même boucher là. Bel et bien un vautour qui tourne autour de ma base. Pour l'instant, il ne m'embête pas. Il y a deux vautours. Un petit gang de vautours, quoi. Voilà. On a refait tout le dessus. Et alors, question, est-ce qu'on mettra ensuite... Ah, c'est bizarre. Est-ce qu'on mettra ensuite une toiture? Parce que c'est pas évident. C'est pas évident à cause de cet angle. Mais ce qu'on peut faire... Bah, c'est déjà... Faire une petite remontée comme ça. En copiant ceci... Ok, et mais en se laissant ça de libre, on verra, c'est une idée. J'ai pas testé ni rien, je sais pas ce que ça peut donner. Ah non, encore. Elle est revenue. Bon là je mets pas l'autre de l'autre côté, mais dans l'idée il faudrait le faire. C'est juste pour voir de loin déjà. Ah non, t'énerve pas. Ah, t'as pu. Je comprends, elle est pas contente du coup. Ah, ça use, hein. Heureusement, j'avais refait pas mal de bois. Pareil, je te copie ça. Je reviens là. On va voir ce que ça donne en prenant de la distance ensuite. Allez, dernière étape. On y est presque. Tombe pas. Voilà, et puis alors ici... Je mets très bien, mais à voir, hein. Des petits piliers comme ça, qui soutiendraient la toiture en fait. Ça pourrait résoudre le problème. À voir, à voir. Pour l'instant, je vais en mettre quelques-uns seulement. C'est lesquels déjà? C'est toi? C'est pas trop gros, hein. Ça a l'air d'aller. Ça ferait un peu effet pagode de ce point de vue-là. Ça serait comme ça. Prise d'appui là-dessus pour une toiture. En partant à chaque fois des avancées comme ça. Là, j'en ai mis que deux. Mais ça donne une petite idée. On descend par ici. On va se récupérer ça. On va aller voir cette satanée crieuse. Elle a crié, je pense. Trop tard, hein. Ça a fait pop. Regardons. En même temps, on va se débarrasser de lui. Alors, la tour en elle-même est pas mal. Ah ouais, il y a un truc qui manque. Il y a un truc qui manque là. Ça fait zarbi. Il faudrait relier là quand même, comme ça. Ouais, ça, ça manque. Bah, c'est bien de descendre pour voir justement. C'est là qu'on s'aperçoit de ça. Là, il faudrait faire quand même une barre. Sinon, ça fait moins bien. Bah, je vais le faire. Ah, ils sont arrivés là. Et dis donc,
T'arrêtes de courir vers moi comme ça. Et non. T'es morte, hein, là. Ouais, parce que des fois, on se demande. Ils sont retombés dedans, vous allez voir. Ah, j'ai eu la bonne idée d'ouvrir. Bah ouais, ils sont dedans encore. Quelle bande d'abrutis. Je vais me retaper, la monter ensuite. Et puis, lui, il court. Reprends ton souffle. Oui, j'arrive, t'inquiète. Eh mais non, je t'avais tapé, hein, je te signale. Il m'a cassé un bras, cet enfoiré. Ça y est. Alors les autres, du coup, ils m'ont senti. Ils sont en train de taper sur la base. Attendez, j'arrive. Allez, place ton truc. Allez, il me touche, mais pas moi. Saloperie. Eh, j'ai pris cher. Alors là, c'était pas normal ce qui s'est passé. Parce que l'autre, je l'ai tapé dessus, mais ça a passé à travers son corps. Et c'est à cause de ça que je m'en suis pris plein la gueule. Bon, tant pis, c'est pas grave. Oh. Comme ça, on se débarrasse des vautours. Et donc oui, on était en train de dire, il y a un problème. On va résoudre ce problème. Alors peut-être aussi que mes colonnes de pagode, là, elles sont un petit peu trop grandes. C'était ce que je me disais. La place, hein. Je sais pas, mon bouton doit déconner. Hein. Hop. Allez. Courage. Sois plus forte que ça. Ouais, peut-être que en fait... On pourrait juste faire comme ça. On va regarder. Là, ça dépasserait de 1. A voir. Il y a un autre vautour, on va faire gaffe. Et donc, autre souci. Autre souci, c'était ici. Comment on fait? C'est toi. Ah ouais, d'accord. J'ai compris. On va faire comme ça. On n'a pas le choix. On va virer ça. Bah dommage. Fallait se faire une avancée. J'aurais pas dû renforcer, j'aurais dû regarder avant. Là, ça va être mieux. Allez, je me dépêche parce qu'il est déjà 18h. On va copier celui-là. Et comme ceci, ça va être beaucoup mieux, vous allez voir. Je pense que il n'y aura pas photo. Et il nous en manquera un. Oui, puisqu'on va là, on doit détruire encore celui-là. Ok. Du coup, on revient là. Et là, cette fois, je valide. Je suis sûr que c'est bien. Du coup. Ça ferait une petite avancée comme ça. Ça, je pense qu'on pouvait le garder, par contre, cette forme qu'on avait mise, comme ceci. Voilà, on va regarder ce que ça donne, maintenant. Descente là. Alors ici, c'est moche. Est-ce qu'il va m'attaquer ? Ils sont durs à toucher. Tu vas crever, oui. Bon bah, je te laisse aller. Voilà, regardez. Nickel. Nickel. Alors, le truc de la pagode, c'est en plus, hein. Parce que sinon, en fait, on peut... Au lieu de laisser les murs là, le petit... Réhaussement.
en contrebas à l'arrière, on peut l'avancer à l'avant. C'est pas impossible de faire comme ça. Le truc de la pagode, sinon c'est en plus, je sais pas ce que ça peut donner en réalité, mais en tout cas là la forme est chouette, hein. La forme est vachement bien. Ouais, c'est cool. C'est bien cool. Alors il y a ces petits soutiens là, on peut terminer avec un triangle qui descend. Peut être bien ça. Oui. Tu es revenu. Je t'ai entendu. J'ai entendu soupirer. J'entends ton pas dégoûtant. Ah non! Voilà, tu rentres pas dedans, hein. Ça m'a tiré tout le monde dedans. On a bientôt la mission. Heureusement, le bras est presque guéri. Il va falloir bouffer et tout. On passera prendre aussi le drop. Oh, je suis content de la forme. C'est une belle avancée. Simplement, c'était un peu long, quoi. On va voir si on peut faire 2-3 trucs encore avant de partir. Vas-y, vas-y. Te gêne pas pour moi, c'est bien. Du coup, c'était là. On va s'occuper de détruire à nouveau. Je me fais attaquer, mais sérieux, il m'attaquait pas tout à l'heure. Il a changé d'avis. Ok, on y est. On a le truc complet. Je redescends. On va jeter un coup d'œil. Mais je me prépare avant, comme ça c'est bon. Et s'il y a des trucs à changer, on le fera une autre fois. Ou alors en revenant de la mission, si c'est pas trop long, on verra bien. D'ailleurs, t'as peut-être pas besoin de prendre tout ce bois. Même pas du tout besoin. T'as pas du tout besoin d'avoir tant d'essence. Les balles, c'est bon, ok. Le truc va guérir. Je vais bouffer un peu. Et puis je vais boire, et puis let's go. Ouais, je bouffe tout. Boisson. On prend ça. Ah, on revoit la une, cool. On va se prendre un peu de soin. Voilà, comme ça, plus peut-être des trousses quand même. Je sais jamais. Réparer ça. Et ça. Plus la foreuse qui est pas bien. On répare tout. Et puis là, on est bon. On est très bien. Porte les lunettes d'XP pour la tuer, elle. Voilà, comme ça on a un tout petit peu plus d'XP. Et on est parti à 1 km et quelques. Au passage, il y avait un drop pas loin. Je vais le prendre tout de suite. Qu'est-ce que tu donnes de beau? Ah bah ouais, t'as oublié de mettre les lunettes. C'est de la merde! On est de retour dans cette ville. On croise les doigts pour que ce soit pas le même. Oh, c'est le chantier! Ouh là là, ça va être chaud. On se tape le chantier, mais de nuit. Pile à l'heure. Alors ça. Alerte. Faut remettre l'électricité tout de suite. Hop 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 hop. Il y a deux vautours déjà. Voilà. Il n'y a plus de vautours.
Je me disais, tiens, des points rouges. Ça a l'air de gueuler un petit peu partout. Je fais le tour. Oui. Faites-vous partie de la mission? Non. Ils me disent que non. Bah oui, mais faut mourir, hein, des fois. Voilà, là, c'est bien. Je voyais un gars qui se profilait. Oui, j'entendais. J'entendais que c'était méchant. Je t'aide un peu. Oh là là, cette chance que t'as, des fois. Attends. Brûle! C'est ça. Attention, il va me mettre une claque en sautant, je les connais. Regardez. Il arrive pas encore bien à se coordonner, mais... Ok, bon. J'espère que... Ah bah non. Et non. On peut pas faire la mission. Madame, tu viens? Allez, dépêche-toi, il y a un trou là. Et quand même, je leur prépare le truc. Ils trouvent encore le moyen de m'ennuyer. Ah tiens, t'as pas pris... Ouf, si, j'ai ma clé. On va quand même récupérer les choses et puis... On va avancer un petit peu là. Faudra avancer un petit peu beaucoup. Je fais tout bas. On récupère ça. Je regarde un petit peu partout. Ici, ça a l'air fait. Il va falloir monter, je pense. Oula. On a réveillé du monde. Approche. Voilà, c'est mieux. Parce que là, quand même, ça faisait beaucoup d'un coup. C'est un peu violent. Recharge. C'est préférable. Ils se sont réveillés, mais d'un seul homme. Eux aussi, d'ailleurs. Approche. Tombe et tu restes au sol. Dac. J'ai un petit peu le tour. Là, c'est fait. On n'en parle plus. On prend les planches. C'est vide. C'est tout pourri ici. Voilà, comme ça, je sais que c'est fait. J'ai plus qu'à redescendre. Parfait. On voit qu'il y a un point rouge là-bas. On va rester sur nos gardes. Ça y est, t'es attiré? Bien joué, il avait trouvé l'entrée. Tout de suite, hein. Sans hésitation. Alors là, bravo. Le cri détesté. Ah, ça s'ouvre. Oh, c'était beau. Enfoiré. Hey. Hey, hey. Mais non. Ah, ceux-là, ils me détestent. Il m'a mis un truc au genou. Ça va, je peux me soigner. Plus le truc qui a la tête, là. Et j'ai pas... J'ai pas d'aspirine, merde. Faut que j'en loot, hein, parce que ça va être galère. Je vais avoir toutes les deux secondes le truc évanouissement, là. Ah, ouais, dis donc. Fallait pas rentrer là-dedans. Hein.
Oh, ils sont vénères. Eh, sortez. Ah, mais le temps que j'ai mis à taper, je méritais pas cette claque. Hein. Je suis désolé de le dire, c'est injuste. N'empêche, ça me met mal, ces deux blessures. Allez, fais plus vite. Dépêche-toi. Allez! Ah, quand même! J'ai repris un peu de points. On va activer le premier truc. Il nous fait toujours le même coup. On connaît, hein, maintenant. Je suis boiteux, mais laisse tomber. Ah, il y en a trois à restaurer ici. Il faudrait se grouiller quand même. Ok. Voilà. Donnez-moi des trucs pour la tête, là. Parce qu'après, on est tranquille, ça part vite, hein. Oh. Bravo. J'ai ouvert quelque chose. Tac. Il y a un petit truc, là. Ouais, il y a une ambulance là-bas ou non, c'est la poste. C'est bien dommage. Là quand même, j'ai des points à reprendre. Je vois que la barre grisée, elle est pas loin, mais... Ah, ça fera pas 30. Hein. Je vais viser un peu. Il reste 10 minutes pour le genou. Ouais, on s'arrête à 125. C'est pas terrible. C'est bien dommage. C'est pour vérifier. Je fais une petite place comme ça, il va venir là, je pense. Approche, l'ami. Non, vraiment pas. Oui, voilà. Ouh, en plus, t'es méchant. Hein. Voilà, on va te finir. Comment tu m'as touché, mais cette détente de la main, là. La main élastique, j'y crois pas. Je suis revenu à 104. Et 10 minutes pour le genou. Il restait que 5. Enfin, je crois. En fait, je dis peut-être des conneries. On marche sur du verre, là. C'est jamais bon. Attention, coupure. Aïe, aïe, aïe. Bon, on va user un petit pansement supplémentaire. J'y crois pas. Une mission des plus compliquées. Ah. Eh oh! Ah non, hein! Ouais, ouais, je comprends que vous soyez vénère, mais. J'y suis pour rien, moi. Ça va là? Satisfait, purée! Tout ça pour un petit peu de farine de maïs. 8 minutes pour mon genou. Ça va venir à bout. On va y arriver. Je fais bien le tour. Quel endroit de merde. 1h27, grouille-toi. Cours un petit peu sur le bas là. Mais on avait fait sortir de toute façon. Pour moi, il n'y a plus personne là-dedans. Ok. Non, tape pas, tape pas. Calme-toi. Du miel. On s'en fout du miel, là. Ce qu'on veut, pour une fois, c'est... un truc pour nos maux de tête. Parce
C'est quand même rare de le vouloir. Ok, à vider. Ça commence à faire de la charge. Je vais poser dans la moto. Je vais me faire l'ambulance au passage. Il reste celle-là et celle-là. Ouais, dépêche-toi. C'est très long comme POI. Ok. On démontrera quand on aura fini. J'espère que le genou va me redonner des PV quand il sera parti. Voilà. Alors celle du fond là-bas. Celle sur le côté. Là-bas, faut se méfier, je me rappelle qu'il y en avait beaucoup. Et puis après, il y a l'ours. C'est ça le problème. On fait le tour. On récupère du bois. Là-dedans aussi, il y a un truc, je crois. T'as bien rechargé? Ouais. Allez, on sait que vous allez surgir à un moment ou un autre. Ça n'a pas l'air d'être maintenant. Toujours pas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un casquet quelque part. Un biker. J'espère qu'ils étaient que deux, mais j'ai l'impression. Je vérifie ce qu'il pourrait y avoir là. Il y a un générateur. Allez, ouvre. Encore ça, mais dis donc. Rebelote. On en a presque terminé là. 2h34. J'ai ouvert ça. Ah, petit étourdissement. Bah oui, on a rien. Je vérifie. On a rien. Il nous reste cette étape-ci. Où je me grouille. Grouille-toi. Personne là-dedans. Si ça pouvait me donner un petit truc pour mes maux de tête. Là-dedans, allez, donne. Ah, pour une fois, c'est de la bouffe. Mais non. Putain, mais il vient d'où, sérieux? Bon, j'attends encore un peu. J'attends que le truc du genou soit parti. Au dernier moment, le truc crie, quoi. Eux qui aiment bien s'annoncer vachement à l'avance. Oh, comment tu m'as touché, je sais pas. Enfin bref, on va rien dire. J'ai même pas esquissé le geste de taper. Je vais me soigner quand même. Ok, et je vais démonter ça. C'est très tendu. Dernier truc est là, ok. J'aurais pas dû taper. Foiré. Chaque fois que je me soigne, on me blesse. Tu restes couché là. Là, ça veut dire qu'on a terminé. J'espère.
En tout cas, on a tout rallumé parce qu'il va être 4 heures. Je vais échouer, quoi, en gros. Ouais, il fallait terminer les zones. J'aurais pas dû fouiller, en réalité. J'aurais pas dû... Hey, grouille. Je suis pressé. Mais ouais, je me rappelais de toi. Je savais que t'étais là. Je cours un peu là, en haut. J'ai l'impression qu'il n'y a personne. La zone du garage n'est pas ouverte. Y'a pas les chiens? Y'a pas de chiens aujourd'hui. Ok. Allez, on se débarrasse de ça. C'est bon. Allez, grouillez. Vite! C'est pas foutu. J'ai pas l'impression. Cool. Ah ouais, bien joué. T'es pas mort. Ok, bon, on est arrivé là. C'est déjà ça. C'était chaud. C'était une mission chaude et périlleuse. Le truc qui est bien, c'est qu'elle n'est pas annulée. Donne. Non, donne pas. J'ai mal à la tête. J'ai besoin de prendre un petit cachet. Il doit rester quelqu'un quelque part. Peut-être là-haut, on va voir. De toi. J'aurais pas eu de bol hein. Sur cette mission. Qu'est-ce que j'ai pris comme baffe? Toujours pas. Non, rien là-dedans. Là-bas, 8 mètres. Ici. Ok. Voilà, on a terminé. Pur, est-ce que c'était chaud? Alors. J'ai tout ça. Oh cool, j'ai récupéré un truc. Ça, c'est bien. Toujours mal à la tête, mais je peux me remettre un petit coup de pansement. J'en aurais usé beaucoup. Oh. On entend marcher. Faut dire, je suis allé vers eux en courant à chaque fois. Je me jette dans leurs bras. Donc, rangement. Plus on met ça. Plus, on peut pas plus. T'as faim. Vas-y, mange un peu. Et on va vider là les trucs importants là-dedans. Je me dépêche. Par exemple, ces caisses. Oh, j'entends encore marcher. Eh ben dis donc. Que de la merde. Ouais, ça fait 15 fois que tu me dis que j'ai réussi ça. Une autre conserve comme ça. Ouverture. J'ai plus, donc on va passer à la foreuse. Nickel. Il y a quelqu'un qui approche, on fait gaffe. On gagne encore des choses. Des choses un petit peu nulles. Alors. Il y a plein de trucs que j'ai pas fait dans cette baraque. Genre la télé. Ça, je sais plus si c'était bien.
Ouais, si ça donne quand même 2-3 choses. Il y avait des canapes. Mais bon. Ouais, bref. Oh, il y a un brouillard là, mais laisse tomber quoi. On n'a pas fait la cuisine. Puis il y avait l'autre bâtiment là-bas pas fait. Ah, et ce serait bien quand même que, par exemple, dans la salle de bain, là, il n'y avait rien. La salle de bain de l'étage. Non. J'aurais aimé me débarrasser de mes maux de tête, mais je le ferai à la base, tant pis. On n'apprend rien. Ouais, regardez, le brouillard est fou, hein, à l'extérieur. Très, très épais. Et une petite télé, encore. Ça se fait vite, toujours pas. Et dernière chambre, j'ai pas démonté, bon, elle est télé quand même. Et c'est tout. Donc je me casse. Il me reste à démonter déjà cette bagnole. Ok. On n'avait pas fouillé ça et surtout il restait juste cet endroit-là. On va se dépêcher. Voilà, parce qu'il y a une ou deux caisses. C'est pas dommage, hein. De manquer un bon truc. J'entends que peut-être ça court, c'est marrant. Ah, j'ai plus de place, c'est ça? On va faire comme ceci. Et virer le verre. Attention, ça arrive. Là sur le haut, j'avais pas fait. Non, on veut faire comme ça. Il y a des cailloux. Puis du bois. Ok, pas la place. À la limite, ça, je pourrais le revendre. Même si je l'utilise pas. Et enfin, le clou du spectacle, donc de ce côté-là, on n'avait pas fait encore. Quoique, si j'avais peut-être fait. J'avais pas fait cette caisse-là. Et en plus, il y avait des clous dedans. D'où clou du spectacle. Non mais comment tu fais? Sérieux, là j'aurais pris des coups qui sont surréalistes. J'aurais pris des coups, mais laisse tomber quoi. On les voit pas venir. Voilà, t'arrêtes. Ça suffit. Alors, j'ai été étonné qu'il n'y ait pas les chiens ici. Un petit étonnement pour moi. On a bouffé et tout, on est bien. Une petite piscine ici, mais on s'en fout, on va se casser. Bah c'était vraiment chaud cette mission, hein. Les missions de nuit, c'est top. Vraiment top. J'adore. On a 1500 mètres à faire pour revenir. Donc je pense que je vais arrêter là. Ça aurait été un épisode sympa où on a bien avancé au niveau de la tour principale, la tour d'habitation. Faudra refaire la même chose de l'autre côté. Faudra voir aussi pour la toiture, savoir ce qu'on choisit. Pour l'instant, j'ai pas d'idée arrêtée. Et puis, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et je vous dis à très bientôt. Allez, salut !